احنا الله ينصرو شرفها الملتقى برسالة ملكية سامية يعطي فيها توجيهات واضحة انطلاقة لجيل جديد للصناعة المغربية. هذه المرحلة الجديدة اللي عطى الانطلاقة ديالها سيدنا الله ينصرو كتركز على السيادة كوسيلة وهدف، والأولوية الأولى اللي عطاها سيدنا الله ينصرو للصناعة هو خلق فرص شغل قارة للشباب. اليوم الهدف ديالنا ابتداء من اليوم قطاع عام وقطاع خاص، وتنزيل على أرض الواقع كل توجيهات الملكية السامية وخلق فرص شغل للشباب ديالنا في كل أنحاء المملكة العزيزة علينا. Secteur privé est clairement mobilisé et conscient de, du rôle qu'il doit jouer et complètement mobilisé pour réussir cette, ce challenge de faire de notre industrie un taux de croissance important. Il y a la décarbonation qui est un enjeu important, il y a aussi les emplois des jeunes, il y a beaucoup de choses qui vont faire que notre économie va se développer davantage à l'avenir. Je pense que la journée d'aujourd'hui va être une journée où on va en tirer les recommandations et on va s'activer à déployer ensemble, gouvernement et secteur privé, les recommandations qui vont être... La charte d'investissement jouera un rôle majeur parce que ça va être un vrai catalyseur pour les gens, les jeunes et tous ceux qui veulent investir dans l'industrie de demain, parce que la charte d'investissement va donner un incentive à tous les investissements à venir, et le fonds Mohamed VI va combler s'il y a des manques de liquidités.